وقد دي توالين نتيجة دي توالين ثم دي ثقيون ديني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في اللون مرحبا سيسون رغم التذيانث أندر الدنسقار دي سيمسالين انتدامسا دي ثمورث الجزائر الساقي وقد ديك شمني كيدنا دي مسنون دي ثدامسا أثني دنسقسي يعني أميك وقدودو الجزائر دي قابل ثم عيشتاقي ثم عيش تندى ثمورث يعني إقلان المدخول الناس يتسد حساس البترول ذا الغاز يعني 90 أميد 95% أنشوم تدريم تيديك من الأخزينة تمورث الجزائر تكشم من سيل البترول ذا الغاز يعني أمكيت ولا ما يسمى مثلا البترول يصوب سدو 40 دولار يعني الباريل تفقد لا لوا ديفينونس يعني القانون التدريم يقجان كرا السلعه يعني تولي دي سوما ارنوياس كرا لي الطاكس ارننتن في كرا الحوايج حوايج وقدودو تزاري ام تريسيتي ام الغاز ام الحوايج تي مش طاح يحتاج يعني باش هذه عايش ديت معيشتي نص نكون فاد نسقسي ام كرا يقابل وقدودو تزاري ثام عايش ذي الحوايج امثيكي ادنا ويكرا سنون سقي اثن سقسي عد فكن يعني راين سن افثم سلتقي انت ذمسا يقروح انسا سيف ذي ثمورة الجزائر اد نرحب سو سوم زوارو نغ اقمثنا الاستاذ حسن موسي سي كندا. اسيدي السلام عليكم الزول في لك سي حسن. الزول في الاول اسلام منك اقم حسن سقي يعني ثم سلتقي غيهم من اقمثنا حسن ام كري قابل وقدودة جزائري ثم عيشت في تمثال تاكين تدمسا يعني اقدي ترويدي تمورتي كروح عندي تمورت الجزائر وتسعار الاساس الطاسي موسنا ونيدي في كنارين سنكاكي اشارة غدي نيضا في تمثال تاكين سي حسن اكما. دابور نسلمي مليح هاك الياك. اكاك نسلم مليح اكما. دابور ديك نيا جو تيان فو سالوي توس المغاربية دونك ازول وسلام في اللون الكلي. J'essaierai du mieux que possible avec une Tukaraïe, Inch'Allah, avec l'Iksoif. Allô? Je dirais d'abord que l'Algérie est gravement malade aujourd'hui. Elle est exactement à l'image de son chef. À la seule différence. À la seule. Allô? Donc, je dirais, la seule différence, c'est qu'elle n'a pas de docteur à son chevet, l'Algérie. Notre peuple a longtemps souffert, Mohamed. C'est un peuple patient qui a souvent pardonné. Mais quand des vautours issus d'une certaine tyrannie passent leurs intérêts personnels avant celles de la nation et du peuple, ça devient alors une question de survie. Je dirais même de vie ou de mort. Au moment où ce peuple, je dirais, se dit que les jours sombres sont derrière moi et qu'un avenir radieux m'attend, malheureusement on le bouscule, on le maltraite, on le sermonne et en plus on lui dit que ton avenir est plus qu'incertain. Moi je pense qu'à force de mentir, le pouvoir lui-même a fini par ne plus croire à ses propres vérités. Nous avons à titre d'exemple vu l'image de la dernière réunion, je dirais moi-même, la réunion des frères ennemis qui ne renvoient ni plus ni moins que « Regardez-nous, on s'entend bien, ne croyez pas qu'on est absent, un autre président va bien, l'armée est avec nous, etc. » En fait, pour des spécialistes en imagerie, ceux qui font dans la sémiologie de l'image, ils vous diront qu'elle renvoie simplement un help me, un help me du pouvoir, je dirais un SOS, que tout n'est pas rose au sommet de la pyramide, que chaque clan se méfie de l'autre. Sinon, comment expliquer l'incursion d'un général dans une réunion civile et politique, laquelle réunion porte soi-disant sur la révision de la Constitution? Mohamed, mon impression à moi, c'est que ces 5 ou 6 personnes se sont rencontrées pour répondre un peu, pour montrer à quel point notre économie va être sermonnée dans quelques temps, va être difficile. Et ils se sont rencontrés dans le seul but de s'appuyer mutuellement et s'impliquer
dans la mise en chantier de certains articles de la Constitution, notamment l'article 66. L'article qui autorise, si vous voulez, le transfert du capital industriel public vers le privé. Nous avons vu d'ailleurs l'option de mettre en œuvre cet article reste la seule sortie solitaire à nos supposés dirigeants. Que peuvent-ils faire d'autre ? Ils sont bousculés de toutes parts. Le pétrole est à son bas niveau aujourd'hui. Il tourne autour de 34 dollars le baril. Pas de ressources financières pour poursuivre le programme d'investissement sur le terrain. Pas de possibilité d'honorer les contrats avec les fournisseurs étrangers. Il n'y a plus de temps à ces dirigeants, ni de marge de manœuvre pour leur permettre de réviser le programme d'investissement ou de négocier les contrats déjà signés avec les différents partenaires étrangers. Ou encore, si vous voulez, de surseoir à certains projets onéreux. Les luttes internes, l'absence d'alternatives convaincantes et de perspectives sérieuses. Il y a aussi, si vous voulez, la pression de la rue, de l'opposition et des médias. Donc tous ces ingrédients dérangent énormément le gouvernement. Et que va-t-il faire alors ? Ce gouvernement va donc recourir à la solution qui est la plus simple, si vous voulez, qui est à la portée de sa main, celle qui consisterait à se débarrasser de tout ce qui est public au profit du privé. Donc le fameux article 66, Haddad l'a confirmé. Récemment, Haddad l'a confirmé. اكيد سقساك انا فاولا قاك مثلا سي حسن الدنيا في الارتيكل 66 يعني ترونسفير دو بيبليك فير لو بريفي اسكو يعني لو كوتي بريفاتيزاسيون اكي il va renforcer l'économie chilienne en tant qu'économiste. Yani, le négatif que tu vois dans la privatisation, c'est y aurait le transfert à Guy. Est-ce que ça rentre dans le but d'une globalisation parce que ces hommes d'affaires yani, sont liés automatiquement à l'étranger? Est-ce que yani, c'est des règles citées par leur boss à l'étranger, il faut privatiser à ça afin de rentrer dans une économie de globalisation. C'est possible de faire ça profondément. Chérine, effectivement, on a mis du temps pour privatiser l'économie algérienne. Vous savez, on aurait dû la privatiser déjà dans les années 75, 76, 77. Mais ça devrait se faire de manière organisée, de manière scientifique, avec la participation de toute la société algérienne, avec les connaisseurs, les intellectuels algériens, les économistes algériens. La privatisation ne se fait pas sur la base d'un article comme ça, pas que du jour au lendemain, parce qu'on a des problèmes, on privatise. Ce que je voulais dire, Mohamed, c'est que Nizmi, aujourd'hui, ils veulent absolument appliquer l'article 66. Et de cette manière, ils auront au moins la chance de gagner sur deux tableaux, ni ce qui les intéresse aujourd'hui, le pouvoir actuel, les décideurs. C'est fini, ils n'ont aucune solution à proposer. Ils sont pris dans un engrenage tel que ils cherchent la moindre issue à la ligne salutaire. Donc l'issue salutaire aujourd'hui, c'est l'application de l'article 66, quand bien même nous ne sommes pas d'accord du tout à son application de cette façon-là. Pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont accélérer la cadence de mise en application de cet article-là pour s'en passer de cette grande charge de gestion de ces grands projets, de ces grandes entreprises, je dirais moi, point mort. Ils vont devenir des entreprises point mort dans quelques temps. Et puis, donc ils vont les passer au privé, faites ce que vous voulez de cette société-là, de son ergas, de son attraque. Oui, son ergas, son attraque, ça va venir. Empocher ensuite, ils vont empocher quelques millions de billets verts, puisque cette opération de transfert du public vers le privé va se faire en direction des seuls vautours qui n'attendent que ça. Et dans certains cas, ça va être leur famille. Et le ministre des Finances, récemment, à la radio algérienne, il a déclaré que c'est faux que de croire que nous voulons céder les entreprises privées ou publiques au privé. Toutefois, si ça se fait, ça sera autour de 34% et que seuls les privés locaux algériens seraient bénéficiaires. C'est faux tout cela. Je dirais personnellement à Mohamed, et c'est mon point de vue, l'Algérie a vécu sur le plan économique deux périodes qui se ressemblent quelque peu. Il y a la première de 1962 à 1986,
où on a vu donc nos décideurs de l'époque prendre le train d'une économie fortement centralisée, socialisme oblige. C'était la planification d'un programme qui, tant bien que mal, essaye de concilier, si vous voulez, l'activité économique et l'utilité sociale à la fois. Les dirigeants, durant cette période, ont lancé, si vous voulez, un vaste programme d'investissement, dont les deux tiers de ces investissements-là sont, j'allais dire, à but non lucratif, c'est-à-dire à caractère social. C'était la période de l'État-providence sous la bannière du Parti unique. Que dire de cette période ? Elle peut être acceptable pendant les 15 premières années. C'est pour ça que vous avez dit déjà en 75, on aurait dû privatiser. Donc elle peut être acceptable pendant les 15 premières années. On venait d'accéder à l'indépendance, tout semblait nouveau. Donc disons qu'elle est, elle est essentielle pour l'apprentissage de l'esprit citoyen et pour les gestionnaires aussi. Il faut noter par contre que après 75, que après 75, jusque, je dirais jusqu'en 1986, elle a été comme un échec. C'était l'échec de la politique économique algérienne, puisque les décideurs de l'époque n'ont pas prévu, n'ont pas, comme ceux d'aujourd'hui, n'ont pas prévu l'arrivée du choc pétrolier de 1986. Ils n'ont pas prévu le choc pétrolier de 1986, ils n'ont pas prévu l'orientation de beaucoup de pays à l'époque vers l'économie d'ouverture, ils n'ont pas prévu le multipartisme, la démocratie. Il y a aussi ce qui les a gênés, ce taux démographique en Algérie de l'époque, très élevé, qui engendrait une grande vague de demandeurs d'emploi qu'ils auraient pu prévoir aussi. Cette situation a dirigé l'Algérie vers une impasse, puisque les dirigeants ne pouvaient ni poursuivre la réalisation de leurs divers programmes comme aujourd'hui, ni capables de répondre aux demandes d'emploi de ces milliers de jeunes, pour la plupart universitaires, ni même de pouvoir assurer les salaires des travailleurs, on s'en souvient. Et puis en plus, pour cette période-là, comme dit l'adage, le malheur n'arrive jamais seul, puisque les événements heureux, malheureux de 1988 débarquent pour compliquer la donne. Et quelques temps après, on a vu les élections de 1991, ces élections prévues par le pouvoir et annulées par le même pouvoir, qui ont plongé le pays dans une période difficile d'investissement et de désordre économique. C'est donc le mur, le blocage et les larmes. Arrive donc notre sauveur, si vous permettez, je continue. Arrive donc, vous m'écoutez, Mohamed ? Donc arrive donc notre fameux sauveur de l'époque, qui va arriver bientôt d'ailleurs, c'était le FMI, le fameux Fonds Monétaire International, qui débarque chez nous en 1988. Il ne débarque pas parce qu'il nous aime, ou pour nos beaux yeux. Il était là à nous imposer une démarche qui a fait mal à l'Algérie et à sa population. Ce fameux professeur, le FMI, le Front Monétaire du Monde, nous a alors tenu la main pour nous accompagner depuis ce fauteuil d'économie centralisée vers le fauteuil d'économie de marché. Donc il a fallu attendre monsieur le FMI en 88 pour qu'il nous apprenne ce que c'est que l'économie de marché. Cette économie de marché qu'on aurait dû instaurer dans notre pays déjà en 75. Donc avec tous ces dégâts collatéraux que ça a causé comme, que ça avait comme effet, tous ces il nous a accompagnés dans tous nos travaux d'ajustement structurel et de réformes économiques très sévères. Et la seconde période dont je voulais en parler, c'est la période 90-2015, qui est à quelque chose près la copie conforme de la précédente, puisque toutes les deux sont basées sur la rente pétrolière. Et toutes les deux ont buté à la même impasse. À la différence de la période précédente, ça c'est, il faut le souligner, cette dernière s'est faite dans l'inceste, je m'excuse, elle s'est faite dans l'inceste en s'accouplant avec la corruption, la gabégie, la perversité. On a vu cette tyrannie privilégier la politique du mensonge, de la tension et de la terreur. Donc c'est des conditions comme celle-là, où la confusion et l'opacité prennent le pas sur l'intelligence et l'ouverture, et les intellectuels, les enfants de bonne famille, les quelques partis d'opposition respectables, ne pourront jamais se rencontrer pour tenter de proposer des idées ou de susciter un quelconque changement. Voyez ce qui se dit et se fait actuellement à Mohamed. On voit, il y a des tiraillements, des luttes internes, des scandales, des insultes via les journaux et autres médias. Maintenant, nous n'avons plus, moi à mon sens, nous n'avons plus à les écouter. Ils n'ont rien à nous proposer. Comme j'ai dit
tout à l'heure, à force de nous mentir, cette tyrannie ne croit même plus la sécurité. Mmh. Il faut absolument arrêter les dégâts tant qu'il en reste encore, je dirais, des meubles à sauver. Qu'on le veuille ou non, Mohamed, nous sommes assis sur une bombe à retardement. Il est urgent de la désamorcer, faute de quoi c'est toute l'Algérie qui va sauter. قمتنا سي حسن ما ولا شوغي ليف اتقم ذيك ذنا غاتصل ذيك مثلا داو دردنا وثورا غادي نكمل لو النغين يعني انت مساني لاقي انت ذمسه قيمي كذنا سي حسن نروح على قمتنا سي داود سي السلام عليكم مازول في لك سي داود مساء الخير سي محمد تحياتي لكل صحفيين تاع المغاربيه على كل حال كان معنا الاستاذ حسن موسي من كندا اللي ايكونوميست لا دوني يعني سون افي سور لا سيتوياسيون ايكونوميك اون الجيري حنا سو كي نيز انتريس مانون سي لو سيتويان لو سيتويان فاس او ديفي ايكونوميك الاستاذ داود يعني نتكلموا على لا لوا ديفينونس على بالك باللي لا ليغ الجيريان دي دروا دو لا ديفونس سما بو لا ديفونس دي دروا دو لومون الجيري اون تامي اون انكيت سو لي 48 ولايات la conclusion, le travailleur, il a dit que 62 000 dinars le chahar. Ils ont trouvé que les 11 millions de travailleurs touchent 22 000 dinars. Comment tu vois la loi des finances les charges au contraire, on a vu l'augmentation, la taxation de produits nécessités les chahar. Ben, si je vous dis, je n'ai pas eu la chance d'écouter votre honorable invité. Non. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette loi des finances, accouplée à la dévaluation du dinar, qui a plus de 40% de sa valeur, va entamer une paupérisation, un appauvrissement de la population à très large échelle pour 2016. Et des mesures auraient dû être prises un petit peu par suite en avant. On a laissé le gros pour l'année 2017. Actuellement, le fonds de régulation est en train de fondre. Actuellement, il est en train de fondre. Il y a un déficit incroyable 2015. Pour la croissance qui était prévue pour 2015, elle était prévue de l'ordre de 4,6%, elle est de 2,1%. C'est la croissance la plus faible enregistrée depuis l'indépendance. Donc il faut s'attendre à partir du mois de janvier à une augmentation du nombre de chômeurs parce qu'il y avait des gens qui étaient en légitimité d'attendre un boulot au niveau de la fonction publique. Tous les postes sont gelés. Donc il n'y a pas de poste qui va être occupé. Il n'y a pas de nouveaux postes. Donc il va y avoir une augmentation du nombre de chômeurs. Les taxes sur l'habitation, sur l'essence, sur l'eau, avec leur effet d'entraînement sur les autres produits, vont augmenter le nombre de pauvres. C'est-à-dire que 80% de la population algérienne va être atteinte par cette loi des finances. Cette fuite en avant aurait fait que normalement, on aurait dû immédiatement changer de gouvernance. Je pense que le gouvernement algérien ne perd pas espoir que le prix du pétrole va remonter. Dans son esprit, il n'a pas d'autre solution. Il pense qu'il va y avoir un miracle, les prix du pétrole vont augmenter et les choses vont revenir à l'Algérie. Les mesures qu'il a prises dans la loi des finances ne sont pas suffisantes. Il faudra, dès le mois de mars, créer une loi de finances complémentaire. Et on a fait une fuite vers l'avant, les choses vont s'aggraver en 2017, et là ce sera une explosion sociale, parce que c'est toute la population qui va être touchée à Sidi. سي داود سي با بروبان ريح معنا نسمعوا الاستاذ موسي ونرجعوا لك شكرا. قماتنا احسن موسي تسلط قمتنا حسن الاستاذ قمتنا داود هناك يعني لي ميزور بريز بار لو غوفرنمون كونسيرنون لا لوا دي فيرونساكي n'est pas suffisante et en même temps n'est pas bien étudiée yani, pour régler cette situation économique et en même temps yani, il va appauvrir le peuple algérien yani, de plus en plus chab n'sarait tkhalli santa fatour tak Moi, je rejoins dans
bonjour à Sid Aoud, je ne sais pas s'il m'entend. Moi, je rejoins totalement ce qu'il a dit. Mmh. Il a tout à fait raison. Vous savez, actuellement, moi je suis un peu en Amérique du Nord, je vois ce qui se passe dans l'économie d'ici. Mmh. D'abord, nous enregistrons un ralentissement de l'économie mondiale. Mmh. Et puis, il y a l'abondance de l'offre des pays producteurs de pétrole. Mmh. Il y a aussi la dernière décision de l'OPEP à ne pas réduire les quotas de production. Mmh. Il y a en plus les stocks de sécurité à travers chez les grands consommateurs qui sont à des niveaux tels qu'ils permettraient une autonomie qui peuvent aller de 16 à, je dirais, de 12 à 24 mois. C'est-à-dire, ces pays importateurs de pétrole pourraient tenir le coup à partir du 1er janvier 2016. Ils peuvent tenir le coup 2 ans sans qu'ils n'importent du pétrole, ils n'auraient pas de problème. Il faut faire attention là. Le contexte international actuel, il est marqué par une chute considérable des prix du gaz et du pétrole. En levant aujourd'hui, l'Algérie vendait son gaz à $3 le MBTU et à peine à $35-36 le pétrole, le baril. Cette réalité va sans doute durer dans le temps. Et je dirais même qu'elle va en s'aggravant, comme l'a dit Sid Aoud, pour le grand pays producteur de cette énergie, le cas de l'Algérie. Et cette situation va profiter aux pays importateurs. À titre d'exemple, l'Italie, profitant de cette aubaine, a plus que doublé ses importations depuis l'Algérie en 2015. Autrement dit, durant les 6 à 10 années à venir, notre pays va vivre sa période de vache maigre. Et si par malheur, encore une fois, je ne suis pas en train de... Et si par malheur, nous gardons encore, dans les 5 prochaines années, la même équipe que celle d'aujourd'hui, puisque chez nous, je m'excuse, à part le sport, on ne change pas l'équipe qui perd. Hein. Je dirais qu'on ne change pas l'équipe qui perd. C'est alors, si on les laisse encore 6 à 10 années maintenant, c'est alors un coup de masse que nous recevrons sur la tête, puisqu'ils ne rateront pas l'occasion pour recourir à la solution de facilité en bradant ce qui nous reste de cet or noir, je dirais, au premier venu, et à des prix qui concurrenceraient ceux en cours en Irak par l'État islamique, aujourd'hui. Mmh. Et puis, le ministre des Finances, il a prévu, dans sa loi des finances, un déficit de $26 milliards pour 2016. Ce calcul a été fait, quand le veuillez ou non, sur la base d'un prix de 45 à $50. Donc c'est faux, il est faux son déficit de 26 milliards de dollars. Dans la réalité, notre pétrole, comme je l'avais dit, se vendait à peine à $35 le baril, pour sans aucun doute atteindre la barre des 33 au début de 2017. Le déficit serait à notre... si notre ministre a bien fait ses devoirs, à mon sens, de 35 milliards de dollars en 2016, pour passer à un cumul de 80 milliards en 2017... Et par un simple petit calcul que j'avais fait là, à $100 milliards en 2018. Donc, qu'on le veuille ou non, on va sommer la population. Nous verrons nos taux de change qui vont monter. Nous verrons les taxes qui vont monter. Nous verrons une suspension d'un certain nombre de médicaments que le gouvernement ne va plus importer. L'habitude que nous avions dans le passé à acheter des petites savonnettes de luxe, des shampoings de luxe, des ceci, de cela, je dirais des semi-luxe entre guillemets, vont s'arrêter. Donc le peu de produits, de ce type de produits qui vont être posés sur les étals chez nos marchands en Algérie, vont grimper, vont doubler, même vont tripler le prix. C'est ça qui va créer un problème chez nous. Et là, sans parler du coût de la viande, de la semoule, de l'huile, etc., tous ces produits vont augmenter. C'est normal que ça va faire mal. Encore une fois, on n'a pas impliqué les gens dans cette loi des finances. Comme toujours, on l'a fait autour d'une table à 2-3 personnes et on présente un document, vaille que vaille, on va le faire passer, quel que soit X, un point, c'est tout. Voilà. قمتنا موسيقي مكيدنا يعني سقسيا قيثا كيد سقسيا سقسيا مس داود داغن قمتنا مس داود الأستاذ داود يعني en tant que spécialiste dans le domaine de l'économie avec toutes les données qu'il y a
qui existe sur le terrain concernant يعني, le massacre économique. Là, on a vu la loi des financiers. A-t-il يعني, une alternative qui ne va pas toucher les poches du peuple, يعني, à part ce qui existe dans la loi des finances qu'on a vu en décembre 2016? Mohamed Joudi, les perspectives où nous sommes arrivés sont effarantes, les perspectives macroéconomiques. Hein. La situation est très grave, elle est très, très grave. Aujourd'hui, nous sommes malades. Quand quelqu'un est malade, on ne met pas un pansement sur une jambe de bois. Si quelqu'un est malade, il faut une intervention chirurgicale lourde. Nous sommes arrivés à une situation, malheureusement, où ceux qui ont coulé ce pays, eux, ne sont pas taxés. Au contraire, on leur a fait des cadeaux dans la rue des finances. C'est le peuple qui paye. Même celui qui a eu un logement social de la part de l'État, il est taxé maintenant. Ça va mettre toutes les wilayas. Il va payer une taxe pour compenser les cadeaux qu'on a fait à l'oligarchie de M. Haddad, etc. La solution maintenant on est en plein dedans. On est en plein dedans. Nous risquons malheureusement durant l'année 2007 d'avoir un pétrole à 20 $. Ce n'est pas une utopie. Hein. Je ne suis pas en train d'effrayer. Il y a des grandes banques américaines, ces experts, qui sont en train d'affirmer que l'année 2016, il y a des fortes chances que le pétrole se maintienne à un niveau de 20 $. Donc le déficit qui a été calculé sera beaucoup, beaucoup plus élevé. Beaucoup, beaucoup plus élevé. Et le fonds de régulation des recettes va rapidement fondre. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y aura à faire Le peuple, on va au FMI. Et le FMI va nous donner des conditionnalités, il va nous humilier. Il va nous dire voilà, vous licenciez des gens qui sont dans l'administration, vous mangez trop de sucre, etc. etc. Il n'y a pas de solution douce, il n'y a pas de médicaments douce. C'est un territoire, nous sommes malades. C'est parce que des gens nous ont rendus malades. Voilà ce que je voulais dire. بارك الله فيك الأستاذ داود قعد معنا إن شاء الله نرجع لك أنا حرق متنا موسي نعم سندق متنا داود يعني إنك الحلي وعر مليح بارسكو أجمنس قصتيد يعني في إن سوليسيون ألتيرناتيف بارابور أسات الواد فينونس كيف توشي يعني لي بوش بوكدود اوزيري كتشيني يعني اكس عن ثم مسلاني يعني ليكونومي اكتوالمون افيك توت لي دوني نسعى يعني بارابور مساكر ايكونوميكا كيديت مورث الناغ ديفالياسيون دي دينار شوت دي زيدرو كاربير اسكو يعني ذاك دو ذا زيري الا قرا انت راه يخلصن يعني صلا الواد فرونساكي ناك مثلا موسيك تولي كيرا الحلول يعني اون طونكو سبيسياليست اوكي بارابور ا سيت كيستيون D'abord, on est tellement dans une situation telle que nous n'avons pas des vrais chiffres. Nous n'avons pas de vrais indicateurs économiques. On nous les a cachés. Pas comme ça se passe dans un certain nombre de pays transparents où l'on met à la disposition de l'intellectuel, de l'économiste, du scientifique des chiffres réels qui tiennent la route, des statistiques véridiques qui sortent du centre même du trésor, des finances, des ministères, pour que l'on puisse faire une réflexion qui tienne la route, une vraie projection à l'avenir pour voir quelle est l'activité qui fonctionne, quelle est l'activité qui ne fonctionne pas. Le X, déjà, on a en but à cela parce que tous les travaux, aussi bien techniques, économiques que politiques, se faisaient à cercle restreint où on exclut l'intelligence, on exclut l'intellectuel, on exclut le citoyen. Tous ceux qui logiquement conditionne l'avenir du pays se devrait se faire sur consultation de la société civile. Comme l'a si bien dit notre ami Daoud, ce n'est pas avec un cachet d'aspirine à Mohamed qu'on guérira le cancer. Il faut s'attaquer aux racines du mal. Et ces racines du mal, pour que l'on puisse s'attaquer à elles, il faut impliquer la société, il faut nous impliquer. Mais là, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, ne veulent pas nous impliquer pour que l'on puisse voir où c'est que l'on pourra bouger. Mais mon idée à moi, ma préconisation, c'est que nous avons assez tourné avec cette équipe. Je pense qu'il y a des Algériens, il y a des économistes algériens, il y a des professionnels algériens, il y en a pas mal, qui sont capables aujourd'hui de trouver des solutions qui peuvent sauver quand même
qui peuvent donner de l'espoir à notre population. Mmh. Quand bien même on nous a maintenant mis dans une situation telle que c'est très, 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 très difficile de manœuvrer, mais il y a toujours solution à un problème. Mmh. Mais qu'on ne laisse pas encore cette équipe continuer, parce que plus ils avancent, plus ils nous créent des problèmes, plus ils compliquent la donne. Je peux vous citer le cas de l'Islande, hein, Mohamed, c'est ce petit pays qui est quelque part lointain. Ils sont en train de faire des études aujourd'hui, en prévision sur la base donc des effets de serre actuellement. Ils sont en train de voir quels seront les projets à réaliser en l'an 2050 et en l'an 2070 pour qu'ils puissent profiter de la fondation, parce qu'ils ont des icebergs là, ils ont beaucoup de neige qui est stockée sur leurs océans. Ils vont fondre à ce moment-là, en 2050-2070. Ils sont en train de réfléchir comment les utiliser, comment faire des barrages. Ces barrages-là serviraient de traversier pour les bateaux et de production d'électricité pour toute l'Europe. Mmh. Des gens qui réfléchissent à 50 ans à l'avance, 60 ans à l'avance. Mmh. Et là, on nous laisse, on use dans la, on patoche dans la solution de facilité. Le pétrole coule à flot, on en profite, consommant, dépensant, volant, etc., etc. Et puis, au moment où, tout d'un coup, là, on ouvre la porte, on nous dit, écoutez, c'est fini, maintenant, et si on retourne à l'agriculture, et si on retourne au tourisme, et ça, c'est pas à eux de nous donner maintenant les alternatives. Il y a des alternatives, mais des alternatives avec des gens neufs. Donc, encore une fois, il faut absolument des gens neufs, croire qu'avec ces gens-là, on va trouver des alternatives au pétrole, à la crise d'aujourd'hui. Moi, je suis pessimiste. بارك الله قيمي كدنا مسيد نور حرق قمتنا داود الأستاذ داود معنا قمتنا داود داود الأستاذ داود يروح عنا قمتنا داود هاد نكمل لك قمتنا موسي قال لك كدنا يعني maintenant monsieur ned يعني il y a toujours une solution à un problème. On a des spécialistes, on a des professionnels, des économistes يعني bien calés, mais le problème c'est le problème de la volonté politique. يعني les spécialistes disent s'il n'y a pas de traitement pour la crise politique, tout sera inhibé. Effectivement, ils sont interdépendants, le politique et l'économique. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut absolument qu'ils soient intercommunicants. Il faut la vision politique conditionne l'économique et vice versa. Mais plutôt, oui, effectivement, on peut dire que le politique conditionne un peu l'économique. Mmh. Mais nous n'avons pas cette volonté politique chez nous. Le peuple, comme je l'avais dit tout à fait au début, a suffisamment patienté, il a pardonné maintes fois, il a serré la ceinture au maximum, mais là aujourd'hui, ceux qui devaient donc lui présenter des meilleurs lendemains l'ont trahi. Je ne pense pas que l'on puisse apporter un amendement à la Constitution qui puisse nous arranger, nous, ou contenter la population à travers tel ou tel changement au niveau de la Constitution. Je crois que la solution aujourd'hui, c'est d'impliquer la société civile, c'est d'impliquer les intellectuels, c'est d'appeler un petit peu l'opposition, s'il y a quelques partis d'opposition respectables, qu'ils bougent un peu, qu'ils fassent un effort dans le sens d'apporter leur participation à un quelconque changement, mais sinon c'est une calamité. C'est vrai qu'il y a des solutions, il y a des solutions. Nous avons un grand territoire, nous pouvons nous recadrer, c'est pas une catastrophe. Le pétrole va encore boucher quelques trous, pourquoi pas. Parce que là aussi, il faut pas croire à ce qu'on nous dit. On nous présente un tableau sombre, mais en fait, il y a des choses cachées que l'on ne voit pas, comme je vous avais dit tout à fait au début.
On n'a pas la donne, la vraie donne de on n'a pas les vrais chiffres, on n'a pas la bonne situation pour que l'on puisse manœuvrer nous aussi. Cette exclusion là qui nous fait mal. Yani, on revient en politique maintenant, Moussi. L'opposition, elle existe. Yani, le peuple, il est là. Le peuple, yani, il n'est pas connecté yani, au domaine de la politique. Ils arrachent, mais ils ne participent pas. La société civile, c'est la même chose. Yani, qu'est-ce qu'il faut faire yani, afin de sensibiliser la population politiquement? Parce que je fais des années 80, yani, l'activité, surtout politique au niveau des universités, il y a l'impression. Prise de conscience à l'échelle de la masse estudiantine, mais maintenant on voit un peuple qui n'est pas vraiment connecté de l'activité politique maintenant, Moussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? À ce niveau-là, moi je pense que il y a quand même des gens sensibilisés, des gens conscients qui sont peut-être dans l'ombre en train de faire du bon travail, pourquoi pas. Nous avons toujours été surpris dans ce pays-là. Il y a toujours des sorties surprises là, qui nous font beaucoup de bien. Il va y en avoir. Ne perdons pas espoir. Et puis le reste, ceux qui sont peut-être inconscients, il y en a aussi, finiront par rentrer dans les rangs bientôt. Ils finiront par rentrer dans les rangs bientôt avec ce qui nous attend là, dans les 3, 4, 5, 6 mois. La société civile va s'impliquer totalement parce que quand vous n'avez pas un litre de lait chez vous, quand vous n'avez pas de quoi acheter du pain, de la patate à vos enfants, là vous sortez dehors, vous cherchez la raison. Et cette situation ne saurait tarder, elle arrivera. Et tant que ces gens-là qui nous présentent qui veulent nous faire avaler des couleuvres en couleurs, sans là, on finira par sortir. On finira par sortir parce qu'ils vont tenter de nous mentir encore. Ils vont tenter encore de passer des choses discrètement et ça va venir. قمتنا موسى يعني سمحنا أنا نكنت في الشطح كذا ما ولا شو غيليف أدنى ويقمتنا فرحات ذا غن سي فرحات أي تعليد ذا موسى ندي تدري مثل أدنى سلي يعني الرئيس أدنى غلا رغور كسي موسى قمت نروح قمتنا سي فرحات أي تعليد مس الخير على سلام عليك سي فرحات سقد انت مسلاف سي مسالين انت دام سقمتنا سي فرحات يددي كيدنا قمتنا احسن موسي يعني اكس انت موسني ديت دمسا نفا كان اكيد نسقسي يعني تولد للوا دي فينونس كاري وثنا الجيف بقدود وتزايري نسقسي دا في لي زالتيرناتيف قمتنا داوود قمتنا موسي ديك شمني ناكي نسعي موسنا وانت دمسا يعني للوا دي فينونس كي مدفغ وثوالا وذي سنن يعني باش دوالينا شو سي اللي قنو قدود وتزايري اد مرحب سي سكاد في كذا رايك سي فرحات سكي Il y a beaucoup de choses qui ont été dites à propos de cette loi, mais dans la réalité, imagine que c'est pas cette loi qui va créer la catastrophe économique en 2016. La catastrophe, elle est déjà, c'est la dévaluation du dinar. Et maintenant, c'est pour ça que toutes les augmentations qu'il y a eu dans cette loi de finances, elles concernent l'énergie électrique, les hydrocarbures. On ne touche pas aux subventions sur la nourriture. Donc, pratiquement, toutes les augmentations, elles ne se répercuteront pas vraiment sur la société. Acheter les carburants. Et c'est des petites augmentations. Le chômage, il a 30% de sa valeur en 14 mois. En 2007, c'est sûr, la dernière fois, c'est la fin. Parce qu'ils sont obligés de dévaluer encore au moins de 15% pour rééquilibrer avec la chute des réserves d'échange. Et là, ça va être vraiment une catastrophe pour les bourses moyennes, pour le groupe de la société algérienne. Et on peut dire à partir de moins de 50, 60 000 dinars, ils vont vraiment sentir on va tous le sentir. Et il y aura aussi une compression déficit qui sera sûre et certaine, automatique, parce qu'il y a plus d'argent pour financer les centres de loyers sociaux, et il y a plus d'argent aussi pour fonctionner pour le. La tournure machine, la fonction publique qui ne répond pas aux exigences de la société, qui coûte extrêmement.
manche. Est-ce que Gmatna Farhat, pourquoi au détriment du peuple algérien, concernant le budget par exemple des ministères, genre le ministère de la Défense, d'autres ministères du gouvernement, le budget n'est pas réduit. Pourquoi il y a une augmentation et c'est le peuple qui doit payer la facture? Non, les ministres, comment ils sont nommés, tout le monde est. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu un seul politicien, même de l'opposition, parler du budget de la défense. C'est un budget qui ne répond pas à la conjoncture actuelle en matière économique. Il n'y a pas de raison qu'on réduise tous les budgets sectoriaux et on garde ce budget en augmentation constante. La chose, comme de grandes décisions, il est pris justement au niveau d'un pouvoir qui, depuis 1962, traite le front militaire, donc personne n'a le courage de dire. On ne peut plus payer tout ça. On ne peut plus apprendre. Même s'il y a nécessité d'augmenter les moyens sécuritaires, on ne peut pas apprendre une population pour la sécuriser. Parce que justement, la sécurité, il va se dériver. Une population qui aura des problèmes socio-économiques, elle est plus dangereuse que n'importe quel ennemi intérieur ou extérieur. Ceci dit, j'aime faire, il ne s'agit pas que de restreindre les budgets de l'État pour continuer justement à utiliser l'argent du pétrole que pour la nourriture, pour des équipements, des ménages. Les Algériens, ils entendent dans sa caravane qu'il y a des paroles qui sont éternelles. Les gens me disent les choses, nous, pendant des siècles, ils travaillaient 5 heures par jour, et ils ne mangeaient pas de faim pendant des siècles. Alors que nous, on a découvert les 15 dernières années un mode de vie qui permet de plus ou moins d'assouvir une bonne partie de ses besoins. Et même de ces gens qui font faire grand-chose, on a cru que c'était éternel. Le peuple algérien, ils ont dû mettre des points sur des îles à partir du moment où il y avait de l'argent et qu'il a été défendu à tort et à travers. Je n'ai rien dit à l'époque. À l'époque, quand on parlait de catastrophe en cas où il y aurait une baisse des coûts du pétrole, même chaque était d'accord avec une partie du pouvoir. Tout le monde voulait avoir sa part. Et bien maintenant, chacun a eu peut-être la part mise. La part de la part qu'il voulait, mais la part qu'il a pu s'accaparer en fonction de son niveau, et bien maintenant, il n'y a plus rien. Il va falloir assumer. قمتنا سي فرحات نمسلي ديك مثلا سي داود قمتنا موسي نند باللي نكوني نسعى مسلا وانت دامسا دي جون بيان كالي بروفيسيونيل سي دي زيكونوميست زمرنا سقاد انت تمثل تاكي ومعنا ميد المسلي نخدم ذكرى الحساب لي سبيسياليست هضرن في لو مونك دو فولونتي بوليتيك ولاش الاراده السياسيه باغ اكزومبل التي بوري لا سوسيتي سيفيل لي زانتيليكتويال لوبوزيسيون. C'est des forces qui vont porter du bien pour le pays. Donc, c'est le problème de la crise politique. Même si nous avons l'intérim, il n'y a pas des bases économiques à l'heure. Depuis le début de ce pouvoir, n'est pas de nature à rien ouvrir le partage à qui que ce soit, qu'il soit utile ou inutile. D'ailleurs, quand on n'a pas une très grande compétence, on a l'impression que tout le monde est dangereux, on a l'impression que tout le monde est nuisible. Et ce sera pour les gardiens du temple national. Mais il y a d'autres qui sont accrochés par intérêt aussi, un intérêt tout à fait sectaire. Mais il y a un petit problème, malgré l'existence de compétences, malgré l'existence d'un grand nombre de volonté, qui est respecté dans la société. Peut-être qu'on arrivera un jour, quand je dis un jour prochain, dans quelques mois, à une négociation avec le pouvoir, parce que quand ils se trouvent coincés au pied du mur, ils seront bien heureux de partager un petit peu le fardeau. Et ils vont certainement lâcher du lait. Les problèmes qui vont se poser, les mesures, elles seront impopulaires. Le chien est devenu sincèrement, et il n'y aura pas de moyen de relever le pays avec des mesures populistes. Le chef de l'État, voilà. Nous avons des compétences qui vont vous permettre de continuer à vivre comme avant, avec les mêmes envies, avec la même manière de vivre, et en travaillant peu et en consommant beaucoup, ben, ce n'est pas possible. Mais je vous dis, il n'est pas question de céder le patrimoine national, ce qu'ils appellent le patrimoine national, qui est en grand.
Parce qu'on est en train de tromper les gens. Là, en leur disant que nous avons des sociétés, des fleurs en industrie, que les gens veulent s'accaparer. Il n'y a rien à accaparer, il y a certains voies. Il va tout se ralentir, même gratuitement. C'est des catastrophes qu'on est en train de traîner depuis des années. Donc il faudra aussi. يعني قمتنا سي فرحات وقت سقسان قارو ام كي كتولي يعني قمتنا سي فرحات لو سيناريو ايكونوميك دي تسن رزات يا هل ترى نزمر انف يعني سي تمثال تاكي ليكونومي دو بريكولاج نولي يعني الحاجه رزات دي سوفان ثمرت يعني باش هذه اللي وقدود لازم كي سناك مثلا احسن موسي تخدم كرا لونكا لا ليغ الجيريان بو لا ديفونس دي دروا د اللوم ثوفات باللي الجزائري الا لو مينيموم هذه الحق 6 مليون الشهر يا طار زمان الحق الحاجه يا كي نغم كرا توالي مثلا سي فرحات الله ولا نعرف 6 مليون En 2017, peut-être qu'ils vont représenter l'équivalent d'une affaire de Brunus, parce qu'ils sont naturalistes. Ils se mettent, ils jettent à l'école de l'Ontario Brunus. Il ne faut pas voir le niveau de vie qu'il faut attirer aux gens. Il faudrait aussi voir ce que c'est comme. Parce qu'il faut les avoir pour créer les gens. Actuellement, la fonction publique est de 18 milliards de dollars, juste avec le salaire actuel. Alors maintenant, si on doit mettre un salaire minimal à 62 000 dollars, toutes les entreprises, y compris privées, si je prends le grand nombre qui suit, vous devez savoir une chose. Nous n'avons pas de productivité interne. Pendant des années, pendant peut-être plus de 40 ans, on a été empêché de produire. L'État a empêché les gens de produire. Après, il leur a appris à ne pas produire. Aujourd'hui, même s'ils veulent l'université à produire, il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts à le faire. Contrairement, ils ne sont pas prédisposés à le faire. C'est des consommateurs. Voilà. C'est la situation est simple. Tu vas prendre 1 milliard de dollars. De rentrer en lieu maximal. Ce qui peut être le maximum. Ça va naviguer pendant des années entre 20 et 30 milliards de dollars. Donc il n'y a pas moyen de consommer pour 60 milliards. Il faut donc réduire minimum 30 à 35 milliards de dollars de consommation. Pour les réduire, là c'est un sacré problème. Il faudrait bien que quelqu'un passe à la casserole. Normalement, dans la logique, les gens qui ont les plus hauts salaires, ils doivent faire plus de sacrifices que ceux qui ont les plus bas salaires. Mais de là à dire qu'il va falloir aligner tous les Algériens sur un salaire qui leur permet de mener le même niveau de vie que maintenant. Ce n'est pas possible, vous ne savez pas. C'est du rêve et c'est de la surenchère démagogie. Le niveau de vie des Algériens, il va changer. Vers le bas, maintenant, il va changer comment? De manière égalitaire, plus ou moins juste, où tout le monde sort des sacrifices. Donc, en sacrifiant les plus faibles, on va créer des révoltes sociales. Et là, toute l'équation, elle est là. Il va falloir que celui qui touche 50, surtout que la plupart des postes à 50 millions, ce n'est pas vraiment des postes productifs. C'est des postes inutiles, certains même sont invisibles. Il va falloir discuter de ce salaire-là pour essayer de réduire déjà les dépenses de l'État. Sinon, il n'y a pas moyen de faire autrement. بارك الله فيك تنمر ثم قرات قبتنا سي فرحات تاع لي ثلاث ديك دناغ هاد نروح لكندا هاد نغرق قبتنا احسن موسي سمحنا نعطل في لك قبتنا سي موسي قمتنا موسي اسعد سل ذاك ما سمحنا نعطل في لك زار ما سيدي قمتنا فرحات يعني نسقسات تمثالين الارواد في نوساكين يعني تخسر ثم قرات يعني ميصوب البترول وميم طون ديفاليواسيون دو دينار يعني فغندك صلا الواياكي لا ديرنيير مينوت باش هذا في نكرا الحلول ولا مكيدني داك الشيء يعني اوتوماتيكمون يعني ولاش لي سبيسياليست حضرا خدم نسيت كان كاكي ثورا فاكيد نسقسيك مثلا موسنيا في لو سيناريو ايكونوميك راه تسوي دار الزنات يعني ميد هضر مكتشيني ماس داوود ماس فرحات يعني ماشي الحاجه اريس فرحني يعني بيسك لا رونتنا يعني كل شيء سي البترول اش راضي نضا سي موسى effectivement effectivement je crois que notre ami Farhat a dit beaucoup de bonnes choses et je l'appuie dans son analyse parfois comme dit l'adage au mieux la vérité qui blesse qu'un mensonge qui fait plaisir. Bien sûr que nous allons assister à des dévaluations du dinar, déjà aujourd'hui il est catastrophique.
catastrophique. Quand j'entends d'ici un dinar, un euro se change à 18-19 dollars, dinars, c'est grave. Nous allons assister à des compressions des effectifs à travers toutes les entreprises nationales en attendant de les passer au pénifin, de les vendre au privé probablement. Nous allons à la limitation des importations. Nous allons à la révision, à la baisse de pas mal de projets d'investissement parce qu'on ne pourra pas les finir avec un prix de 30 dollars le baril sur une période d'une année et demie. C'est pas possible qu'on aille au bout de ce programme ambitieux d'investissement, les autoroutes est-ouest, les raffineries, les ceci, les cela. C'est un gouvernement qui a arrêté des projets pour arrêter des projets, qui voulait réaliser pour réaliser. Il y a du pétrole, il y a de l'argent, il y a une moitié qui va dans une poche, une moitié qui va vers l'investissement. Tout ça fait que c'est malheureux. Nous vivrons encore de la révision de certains contrats d'importation. Nous allons vivre de la compression des effectifs des ambassades à l'étranger, pour ne pas dire de suppression de certaines ambassades. Nous allons voir la suppression de pas mal de subventions. Déjà, le pauvre handicapé en Algérie, avec tous les respects que je lui dois, on lui donne à peine un petit 400, je sais pas, 4000 dinars. Qu'est-ce qu'on va faire avec 4000 dinars? C'est un kilo de viande actuellement en Algérie. Et encore. Donc on va aller vers la suppression de ces subventions-là. Donc nous allons vivre un peu des amendements en amendements de contre la Constitution, de révision en révision du budget de l'année, parce qu'on n'est pas solide, on n'a pas fait un travail qui se respecte, qui tient compte un peu de la donne économique, de la réalité de l'économie mondiale et nationale. C'est ça le problème. La solution, ce n'est pas 60 000 dinars, il l'a bien expliqué, Farhat, on ne peut pas vivre avec 60 000. Déjà, le 60 000 dinars, ils l'ont déterminé sur la base d'une situation florissante il y a peut-être 5 mois, 6 mois, indépendamment de tous ces aléas négatifs. Mais là, si on s'amuse à faire un petit calcul pour voir quel sera le salaire qui pourrait arranger un peu l'Algérien pour l'Algérien de 2-3 enfants pour qu'il puisse tenir le mois, il est difficile de le déterminer parce que ça change chez nous, ça monte, ça me fait que monter. En 2 mois, 3 mois, vous verrez un prix d'un produit qui passe du simple au double, au triple. Mais ce n'est pas 60 000 dinars, c'est encore plus que 60 000 dinars pour qu'on puisse vivre aisément. Un panier de la ménagère ne se détermine pas en faisant une petite addition d'épicerie, 2 kg de tomates, plus 3 kg de pommes de terre, ceci, cela. Il se détermine scientifiquement en tenant compte de pas mal de paramètres économiques. La solution, encore une fois. Et puis, écoute, Mohamed, ce n'est pas pour noircir davantage le tableau. Je lisais dans le quotidien de d'Oran récemment, suite à la venue de Christine Lagarde, directrice du Front Monétaire International, qui est venue nous dire, encore une fois, pas pour nos beaux yeux, mais qui est venue nous dire, écoutez, vous êtes dans une situation difficile, le pétrole baisse, on risque de ne pas voir notre dette payée, alors mettez une partie de votre or, je dis bien or, voilà. Mettez bien une bonne partie de votre or dans notre coffre, en mesure de garantie, voilà. يعني لحقد ثقر البوهيلاقي أدنيني ثاني مير ثم قرات تقمتنا مس داود وقيد نبوي كذنا وكل ذي مسنون تدمسا ثاني مير ثم قرات تقمتنا سفر حات أي تعلي ثاني مير تقمتنا حسن موسي ودينا وك ثاني مير توقيت ديف كان ثم زوث سيل جهي نود جغا وند لهنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.